invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans l'Évangile selon Luc chapitre 24. Je vais lire le même passage que j'ai lu vendredi et je vais parler de l'importance de la repentance complète et totale. Lisons donc dans Luc 24. À partir du verset 34, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et il racontait ce que leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi pas repenser ces lettres dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. » Un esprit n'a ni chair ni eau, mais vous voyez que, que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous. Ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour cette parole. Père, tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Il est mort pour nos péchés. Et tu l'as ressuscité le troisième jour pour notre justification. Père, par ton Esprit Saint, agis dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que toute personne dans cette salle soit sauvée. Que tous saisissent la vie éternelle et une victoire totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vendredi, j'ai parlé du vrai message de Jésus-Christ, mais j'ai mis l'accent principalement sur l'importance de pardonner. Dieu lui-même aime pardonner. Jésus-Christ est venu avec un message de pardon. En fait, tous les hommes méritent l'enfer. Tous les hommes sont coupables devant Dieu. Dieu, quand il voit dans les cœurs des hommes, il est dégoûté. Sa parole déclare que nos cœurs sont tortueux et méchants. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme à l'époque de Noé, voyant que les imaginations des hommes se penchaient continuellement vers le mal. Mais finalement, il a décidé d'envoyer son fils mourir à notre place pour nos fautes, pour que nous ayons une deuxième chance. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Et nous avons souligné combien de fois la Bible parle de son désir de nous pardonner. Il nous aime. Dieu vous aime. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés que tous arrivent à la repentance, Pierre l'a souligné. Et dans Ésaïe 55, au verset 6, la Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Quand il voit quelqu'un qui regrette sincèrement ses fautes, quand il voit quelqu'un qui va faire tous ses efforts, pour abandonner le mal. Dieu pardonne. Non, ce n'est pas assez de confesser ses fautes. Dans Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. Non, il n'ira aucune miséricorde pour une personne qui n'abandonne pas le péché. Mais Dieu veut vraiment pardonner. Nous avons parlé du Christ en face d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il a pardonné. Il lui a dit simplement d'aller et de ne plus pécher. Il a pardonné à une personne qui méritait la mort, le brigand à côté de lui sur la croix. Parce que cet homme a confessé son péché. Il a admis que c'était justice qu'il soit crucifié. Parce qu'il a confessé sa foi en Christ. Le Seigneur lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dieu veut pardonner. Il veut nous guérir. David le savait, il l'a souligné dans le psaume 103. Il pardonne tout péché. Il guérit toute maladie. Quand les gens sont sincères et croient. Et Jésus a dit dans Jean 10, au verset 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire moi. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, la vie en abondance. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Nous avons souligné l'importance de pardonner. Si Dieu veut nous pardonner, il ne va pas nous pardonner si nous n'acceptons pas de pardonner aux autres, même au pire dans nos ennemis. Jésus nous a ordonné dans Matthieu 5 d'aimer nos ennemis de leur faire du bien, de prier pour eux. Il nous lance le défi d'être parfaits, comme le Père Céleste, qui ne se lasse jamais de pardonner. Nous avons souligner ce que Pierre a dit dans Pierre 3, que si nous voulons être bénis, combien de personnes désirent être bénies. Vous voulez vraiment être béni Refusez de maudire les autres. Refusez de parler mal des autres. Refusez de calomnier les autres. Priez pour les autres. Aimez les autres. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a aimé des gens non aimables. Il a aimé des gens qui l'ont trahi, qui l'ont renié en blasphémant. C'est ce que Pierre a fait. Mais Jésus, sachant en avance ce qu'il allait faire, l'a aimé, a prié pour lui, l'a averti Tu vas me renier trois fois. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Que le diable ne vous trompe pas. Même si vous trébuchez, vous faites une erreur, ne croyez pas qu'il n'y a aucune manière de revenir à Dieu. Si vous êtes sincère, si vous regrettez vraiment le mal que vous avez fait, Dieu pardonnera. Il vous relèvera. Persévérez. Revenez toujours au Seigneur si vous trébuchez. Mais si nous voulons vraiment être bénis par le Seigneur, nous devons bénir. Ce n'est pas assez de ne pas calomnier. Dieu nous ordonne de bénir nos ennemis. Dieu nous ordonne de bénir tous. Et selon Marc 11, quand nous utilisons, quand nous disons quelque chose avec foi, la chose va s'accomplir. Parce que vous savez que quand les patriarches dans l'Ancien Testament bénissaient leurs enfants, toutes les paroles qu'ils ont prononcées, se sont accomplis. À la lettre, nous devons faire très attention avec nos paroles. Il y a la vie et la mort au pouvoir de la langue. Avec une parole de foi, nous pouvons faire transporter une montagne selon le Christ. Si nous prions sans douter, nous verrons l'accomplissement. Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que vous avez du mal à aimer? Je vais vous expliquer quelque chose. Beaucoup de gens se trompent quand on parle de cela. Croyons que aimer, il faut avoir le sentiment. Avant d'agir, c'est juste le contraire. Par obéissance, on bénit celui qui nous a fait du mal. On fait du bien pour la personne. On prie pour la personne. Et grâce à la prière, grâce à l'action du Saint-Esprit, le sentiment d'amour est produit. Si vous attendez le sentiment en premier, vous ne bénirez personne et vous ne serez pas bénis. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous aider à tout supporter. Il a été envoyé pour nous aider à aimer comme Dieu nous a aimés en Christ. Selon Romains 5, au verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais parlons de la repentance. Le vrai message du Christ, c'est le verset 46. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés se prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La vraie repentance doit être complète et totale. Lisons dans Ézéchiel, au chapitre 18. Ézéchiel 18, et au verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, vous devriez souligner ce verset dans votre Bible. Le passage ne dit pas si le méchant revient de 90% des péchés qu'il avait commis. Il y a des gens parfois qui me parlent et disent Mais j'ai fait beaucoup de progrès. Je leur parle d'un problème en particulier. Ils me disent Oui, mais j'ai fait déjà beaucoup de progrès. En fait, ils me parlent ainsi parce qu'ils ne veulent pas abandonner ce que j'avais souligné. Ce que vous avez parfois envie de crier, comme les enfants. Quand on lutte contre le péché, ça donne envie de crier parfois. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Lisons plus loin. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Combien c'est important de connaître les commandements du Christ. Car nous serons jugés selon Matthieu 7, selon ses commandements. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, sauf dans les cas où Jésus a approuvé cette loi. Et cette loi est devenue salawa. Mais nous devons analyser ce que le Nouveau Testament dit, car l'enseignement du Christ se trouve dans tout le Nouveau Testament. Et nous devons faire le maximum pour mettre tout en pratique. Lisons plus loin. Si quelqu'un donc abandonne tout péché et s'engage à mettre tous les commandements du Seigneur en pratique, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Oubliées. Donc on ne sera jamais jugé d'après ces choses. Les livres qui contiennent les détails de nos vies. Ces parties-là, confessées, abandonnées, seront effacées. Personne ne lira cela au jour du jugement. Ce que je désire, est -ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice, et commet l'iniquité. S'il émit toutes les abominations du méchant, vivra-t-il Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché à cause de cela, il mourra. Juste une remarque dans le Nouveau Testament, la Bible. Indique que nous pouvons trébucher en tant que chrétiens. Nous ne devrions jamais le faire. Si on reste attaché suffisamment au Seigneur, il peut nous préserver de toute chute, selon la fin de Jude. Néanmoins, la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9 si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce que vous remarquerez dans ce chapitre 20, 18, le verset 24, il ne s'agit pas de quelqu'un qui trébuche, il s'agit de quelqu'un qui abandonne pleinement la voie du Seigneur, qui n'est pas piégé par un seul problème. Mais c'est quelqu'un qui retourne pleinement à toutes les choses du monde. Car il, il est dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il Toute sa justice sera oubliée. Nous avons du mal à imaginer quelqu'un qui ferait une telle chose, mais malheureusement, je ne connais même des gens qui prêchaient l'Évangile, qui voyaient des miracles et tout le reste. Nous devons veiller sur nos cœurs pour que le diable ne nous aveugle pas, ne nous trompe pas, ne nous lie pas de nouveau par le péché. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites Si le juste, c'est détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. On ne peut pas jouer avec le péché quand même. Je pense au Nouveau Testament. Je pense à ce qui est arrivé à Ananias et à sa femme. À le Saint-Esprit avait inspiré beaucoup de personnes dans l'Église primitive à vendre des propriétés et des terrains et placer la totalité de l'argent aux pieds des apôtres. C'était pour aider les 3000 personnes qui se sont converties le jour de la Pentecôte. Car il fallait que ces gens qui venaient d'autres pays restent un certain temps pour recevoir l'enseignement des apôtres. Vous vous rendez compte, il n'y avait que les 120 personnes pour les aider. Les 120 personnes vivaient à Jérusalem. Mais soutenir trois personnes, c'était énorme comme tâche. Et beaucoup sans que les apôtres demandent, étaient poussés par le Saint Esprit à donner tout, de la vente de beaucoup de biens, mais Ananias et Savera, voyant que les autres faisaient cela, ont vendu aussi propriété, et ils ont donné la moitié de l'argent. Ce n'était pas mauvais de donner la mo moitié, mais ils ont dit que c'était la totalité. Et les deux sont morts physiquement. Les deux sont tombés raides morts au pied de Pierre. Le Saint-Esprit avait révélé à Pierre qu'il montait. Et Pierre leur a donné l'occasion de se repentir, de dire la vérité. Ils ont persisté dans le mensonge et les deux sont morts. On ne peut pas jouer avec de telles choses. Si le méchant revient de la sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. Je vais le relire. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix est pas, qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voix, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de ceux qui meurent, de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous. Donc, et vivez. Soyons plus précis, lisons dans Jacques. Je l'ai lu vendredi, mais je n'ai pas parlé longuement de cela. 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 26. Excusez-moi, Jacques, chapitre 1er, et verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, en premier, notre langage doit changer. Notre manière de parler doit changer obligatoirement. Notre manière de parler au travail, à l'école, dans le voisinage, à la maison doit changer. Il n'y a pas de place dans la vie d'un chrétien pour les jurons des blasphèmes, pour le fait de raconter des histoires impures. Il n'y a pas de place pour des insultes. Vous savez, nous avons tous été élevés à l'école et ailleurs. On est poussé à apprendre à insulter. N'est-ce pas Les enfants insultent continuellement. La repentance commence en premier avec notre manière de parler. Et ça, évidemment, touche notre cœur, car Jésus a dit que ce qui est dans le cœur sort de la bouche. Et nous devons changer notre cœur et notre esprit. Selon Éphésiens, chapitre 4. 4 versets 29 et 30. Pour le chrétien, le vrai disciple du Christ, avant de dire quoi que ce soit, nous devons réfléchir, car toutes nos paroles doivent aider les autres, doivent communiquer une grâce à ceux qui nous entendent. Selon le Christ en Matthieu 5, celui qui insulte est sur le point d'être condamné et envoyé en enfer. C'est la première chose. Et Jacques va plus loin, il dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est-à-dire, nous devons aider les autres. C'est très difficile pour les gens. Les gens sont attachés à leur argent. Ils ne veulent pas donner aux autres. Je le constate même chez les gens qui se disent chrétiens. Il est vrai que si vous lisez les épîtres de paul à timothée et aux corinthiens, on ne doit pas donner à n'importe qui. on est en premier les croyants qui sont dans le besoin. ce n'est pas toutes les veuves qu'on doit aider. une veuve doit être croyante, avoir un certain âge, et si elle a déjà une famille qui peut s'en occuper, c'est à la famille de le faire, ce n'est pas à l'Église de le faire. On ne donne pas à n'importe qui parce que cette personne est dans le besoin. Si c'est une personne qui est dans le besoin parce que c'est un paresseux qui ne veut absolument pas travailler, on ne l'aide pas. Paul était ferme à cet égard, il a dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais il y a. Beaucoup de gens qui se trouvent dans le besoin. Des veuves, des orphelins. Surtout les orphelins. Il y a toutes sortes de gens pauvres. Et je voudrais relire ce que la Bible dit à l'égard des pauvres. Dans Proverbe 28 au verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. c'est une promesse et une menace. combien de désirs être maudit, vous voulez des malédictions dans votre vie. personne Aidez les pauvres. Quand vous voyez quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, aidez cette personne. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Est-ce que vous vous souvenez de ce que le Christ a dit dans Luc 16? L'homme riche et Lazare, les deux sont morts. Lazare, il était croyant, passé par la repentance. Et en dépit de sa foi, il était pauvre, il n'avait même rien à manger. Il était malade, couvert d'ulcères de la tête jusqu'aux pieds. Et il était très près de cet homme, très riche. Et la Bible dit qu'il aurait aimé manger les miettes qui tombaient de sa table. Mais personne ne aidé. Il n'y avait que des chiens qui venaient lécher ses ulcères. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort L'homme riche a ouvert ses yeux dans des tourments éternels. Et il prie. Mais aucune prière ne sera exaucée en enfer. C'est trop tard. Son cœur, il n'y avait aucun changement dans son cœur. Il méprisait toujours Lazare. Il voulait que Lazare soit envoyé avec de l'eau pour rafraîchir sa langue dans les, dans les flammes. Il criait, mais il n'y avait point de réponse positive. Dans Proverbe 14, verset 31, Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. C'est honorer Dieu. Proverbe 28, verset 8 Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Dieu bénit ceux qui aident les pauvres. Il a béni Corneille et toutes les. Personne dans sa maison, parce que Corneille priait continuellement et faisait beaucoup d'aumônes pour aider les pauvres. Proverbe 11, verset 25, L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le Psaume 41, verset 1. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Dieu protège les gens qui aident les autres. Jésus a parlé du bon samaritain. Vous connaissez l'histoire. Il veut que nous soyons comme le bon samaritain. Mais Jacques a dit aussi, la religion pure et sans tâche est à se préserver des souillures du monde. Le monde est souillé. Pervers. Surtout par la convoitise. Des yeux, de la chair et par l'orgueil de la vie. Jacques en parle, chapitre 2. J'ai mis euh, un lien sur Facebook l'autre jour qui parlait de comment vaincre euh, le problème de la masturbation. Et quelqu'un a écrit, mais ben, c'est pas un péché, ça. J'ai répondu en disant, mais. La Bible dit clairement, enfin, le problème est lié à la convoitise. La Bible parle à maintes reprises contre la convoitise des biens et des personnes. Jésus a dit croire dans Matthieu 5, au verset 27. Si un homme regarde une femme, pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Mais le monde nous pousse, avec les films érotiques, la pornographie, tout le reste, les affiches, à convoiter. À convoiter. Nous devons nous préserver de ces choses. Nous devons, comme Paul l'a dit, fuir l'impudicité. La repentance doit être complète et totale si nous voulons sauver nos âmes. Nous devons, dans la mesure du possible, réparer nos torts avant notre conversion. Il y a des gens qui imaginent que parce qu'on est en crise, tout le passé est oublié. Oh non, c'est oublié si on corrige ce qu'on peut corriger. Si vous avez des dettes, le fait d'accepter le Christ ne règle pas le problème des dettes. Si vous avez blessé quelqu'un, insulté quelqu'un, volé. Vous devez demander pardon et régler le problème. Nous devons pardonner et nous devons demander pardon. Nous devons, selon Paul, rechercher la paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu nous appelle à être saints, mis à part différents des gens du monde, différents dans notre manière de nous habiller, différents dans notre manière de parler, d'agir, de réagir. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés les fronts courbés. Je vous demande, si vous deviez mourir aujourd'hui, donc deux minutes, est-ce que vous seriez accepté par Dieu? Est-ce que votre vie vraiment en règle? Si elle n'est pas en règle, je vous encourage à saisir la main du Seigneur maintenant. À demander sincèrement pardon et à faire le nécessaire pour que tout soit en règle. Pendant que les yeux restent fermés, les fonds courbés, si vous avez besoin de prière, dans ce sens, faites-moi signe, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant, je la verrai. Oui, merci, plusieurs personnes. Plusieurs personnes, merci. Père Céleste, tu vois les mains, tu connais les problèmes. Je te demande de pardonner, de purifier et de délivrer. Seigneur, donne à tous le courage, la force de réparer les torts. Que tous aient une bonne conscience devant toi. Parce que le nécessaire a été fait. Merci Seigneur, car tu désires nous pardonner. Tu désires nous aider à marcher en nouveauté de vie, remplis de l'esprit, remplis de ton amour. Oui Seigneur, aide-nous à aimer. Aide-nous à ne pas riposter. Mais aide-nous à bénir même nos ennemis et ceux qui nous attaquent. Je vous invite à...